Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici repartis avec Abby à la recherche de son ami Owen qui se trouve dans l'aquarium juste devant la grande roue. On s'était quitté ici et j'avais un petit peu peur de me mettre à l'eau, je vous cache pas. Donc bah écoutez les amis, je crois que je vais être obligé de faire le grand pouf. Alors je tente. Je me jette à l'eau pour vous. Allez, on y va. On roule. Cela, il y a de la vague. Hein. Là, y a, c'est pas de la vaguelette, c'est de la vague. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Terre ferme. Impec. Allez, on allume la lumière. Ouais. Tout ça je prends. Par là-bas, il n'y a rien. C'est quoi? C'est un vieux bateau, ça, si j'ai bien compris. C'est une épave. Ok. Je vais faire un petit peu le point sur mes matériaux, si vous voulez bien. Donc ça, j'ai pas d'arme blanche. Ça, il me manque ça. Ça, c'est... On avait vu, c'était super cool. Hein. Les armes pour le fusil de chasse. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le soleil. Putain. Voilà, ouais, ouais, d'accord. Pas mal. Hein? J'aime bien les petits détails comme ça. Pas mal, mon petit Nadal. Ils ont tous été tués comme ça? Ah ouais, ils ont tous été tués à coups de flèche. Ouais, ça doit être les Scars, parce que ça c'est propre aux Scars, hein, non? C'est dommage parce qu'on récupère plein de flèches, mais Abby ne maîtrise pas l'arc. Alors on va lire ça. C'est écrit à la main. Will, je vais me coucher. Malgré la montée d'adrénaline suscitée par ce bordel, cette espèce de grippe me met KO. Laisse-moi dormir quelques heures que je puisse combattre cette saloperie. J'ai couché notre petite abeille. Je crois que toute cette violence la secoue pas mal. Elle m'a dit, maman, pourquoi toi et papa vous avez poussé les gens? Je lui ai dit que c'était la seule façon de monter à bord. Elle a fait oui de la tête, mais je ne suis pas sûr qu'elle comprenne bien. J'aurais peut-être dû dire autre chose, je ne sais pas. Enfin bref, si elle se réveille avant moi, tu n'as qu'à lui dire un de ses livres, ça la calme. J'espère que tu as pu tirer au clair cette histoire de ration. Je t'aime, Queen. Ok. Encore un drame humain. Bon, balle pour le pistolet. On entend les bruits du bateau. Est-ce que... Ah là-bas, ouais. Là, qu'est-ce que je veux dire? Je recharge. Lui. Je préfère recharger toutes mes armes et je préfère même me soigner, les amis. Et voilà. Allez, on est pareil maintenant. Donc on vient de là. Ok. Ça, on a bien visité, ok, impeccable. Ah, une porte. Ce que vous en pensez, mais c'est un passage un peu glauque, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, là? Des voitures. Ok, alors c'était une sorte de ferry, quelque chose comme ça, qui faisait traverser visiblement Seattle. Ok, allez. J'en étais sûr. On peut prendre ça? On peut prendre ça? Oh, on peut le prendre.
comprendre ça. C'est toi qui as tué tous ces gens. Ah ouais, on a trouvé le meurtrier, les amis. Mais j'ai surtout trouvé... des saloperies de marcheurs, voilà ce que j'ai trouvé. Cette arbalète là. Bon. On va pouvoir fabriquer des flèches par contre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit, les amis. Je vous jure que j'ai entendu un bruit. Allez, le carreau d'arbalète. Les carreaux d'arbalète sont solides et peuvent être cueillis plus fréquemment. D'accord. Ils se brisent moins facilement que les flèches. Enfin, si vous l'entendez, ce bruit-là, comme moi, ça vient d'où ? Génial cette arbalète. Alors on va y aller mollo. D'accord, j'ai trouvé. Donc s'il est tout seul, j'aimerais plutôt ne pas dépenser d'armes. Enfin, de munitions, je veux dire, pardon. Ah mais il est pas tout seul. Évidemment. Ce serait trop simple. Il n'est pas tout seul. Il y a un claqueur. Jouer comme un pied. Alors les amis, je sais pas si comme moi vous entendez, il y a un bruit. Je vous assure qu'il y a un bruit. La loyale. 1, 2, 3. Et je t'éclate le tronche. Voilà. Pas embêter Abby non plus, hein. C'est bon pour qui, lui? Ensuite, les amis. Est-ce qu'il était tout seul, lui? J'entends plus rien. Allez, la loyale, viens. Esquive. 1, 2, 3 dans ta tronche. 4 même. Viens, j'esquive. 1, 2, 3. Ça suffit? Ah, mais attendez. Oh.
contre, j'ai utilisé 2 sur 1. Moi qui n'étais pas trop pour ces armes là au départ, avec Abby, on n'a pas le choix. Donc j'ai tué un claqueur là-haut. Ici. C'est de nous dehors. Ouais, c'est dehors, c'est... Wow. C'est une mer déchaînée. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Attendez, on va procéder par ordre. On va faire d'abord ce côté du bateau. Penche pas mal le bateau là. Hein. J'entends des claqueurs. J'entends à nouveau des claqueurs. Là-bas. Est-ce que j'ai de quoi leur balancer là, comme ça. Est-ce que j'ai de quoi de refabriquer des petites fioles? Non. Soulève ces claqueurs, hein, sérieux. Boum. Allez, viens, toi, la loyale. Tu m'as vu? Allez, la loyale. Je m'emmène en bas. Rien que toi et moi. Go. 1, 2, 3 dans ta tronche. 4. Esquive. 1, 2. Pas résistante, hein. Ok. Bon. Visiblement, Abby, tu n'es toujours pas toute seule. Par ici un petit nounours, une petite pièce pour la collecte. Ah ouais, ça je prends ça, je fabrique. Ah mince, je... ouais, ok, ça marche. Je regarde encore un coup cette mer démontée là. Waouh. Rien par ici, les amis. Je suis pas mécontent d'avoir trouvé cette petite technique de combat à main nue contre un coureur. Ruban, toujours bon à prendre, c'est là-bas. Oh, quand il était d'hiver là. Et on va passer par là. Fait exploser tout à l'heure le petit claqueur. Là par ici il n'y a rien, mis à part ce bestiau qui est mort. Devoir sauter par là ou quoi, vous croyez? Qui est la prochaine étape de la visite? Par là plutôt. On arrive, on est sur le pont.
Ok. J'imagine qu'on peut aller nulle part. Tiens, on peut descendre là, mais je crois qu'on va se fracasser. Il y a des escaliers qui descendent quand même. Ok. On va aller voir à l'étage quand même. Ouais, alors, tu parles pour moi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà. Le coup dit de l'ostéopathe. Rien par là. Rien par là. Lui là-bas. On embête un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Petit combat main nue? Allez, combat main nue. Allez. Sur un. Hop, 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 hop. Sur un. Hop. Oh non, on est un peu. Ah, je suis pas allé discretos, hein, j'avoue. Bien joué, ma petite amie. Ouais, c'est bon, c'est fini. Le jeu est sympa quand même, parce qu'il nous dit c'est bon, maintenant vous pouvez vous relâcher, vous êtes tranquille. J'ai vu un coffre là-bas, donc il faut trouver évidemment une note qui nous explique le code. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça, on se la prend. On se la prend. Est-ce que je peux éventuellement la bricoler? Non. Ok. Là, c'est un passage par là, mais je voudrais parler. C'est d'abord par là-bas, voir ce qu'il y a. Allez, par ici, il n'y a rien. 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 Là-bas. Ok. Là. Ok. Ah. Hop là. Ok. Faut qu'on trouve une petite note, Abby. Procéder par élimination les copains parce que là ouais cool une lame rien ici ça je l'ai déjà. Observez tout à l'heure. Là, rien ici non plus, les amis. Pas j'espère que ce que vous en pensez, mais je pense qu'il doit pas être très loin là, ce document important, essentiel. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Attends, oh non! C'est pas vrai. Ah, ça m'en donne ça.
peu d'agitation, ok. Deux passagers se sont plaints, nous installer une infirmerie. Le passage a perdu l'infirmerie, l'équipage de la recherche, passager là, trouvé. Et ouais. Ils ont trouvé, évidemment. Je vous laisse lire. Hein. Le capitaine, mais c'est le capitaine avec le journal de bord. Et moi, je viens tout simplement de m'empêcher de retourner en arrière. Pour ouvrir le coffre-fort. Et ça, ça m'énerve. C'est parti de non, de rien du tout, que ça m'énerve. C'est parti que ça m'énerve. Pas sauter par dessus là, ça fait 2 mètres. Oh purée, c'est pas vrai. Eh ben écoutez les amis, ça fait le deuxième coffre du jeu que je loupe. Tout simplement. Ça m'agace quelque peu. On va essayer quoi. Du tout, je viens juste d'arriver. Ok. Il faut que j'essaie le niveau supérieur. Je pense aussi. Ah, je suis contrarié. Là. Ça y est, je suis contrarié. Tout simplement laisser passer un coffre. Là, évidemment, il n'y a rien à récupérer. Là non plus. Je vais regarder de l'autre côté rapidement, les amis. Éventuellement, si je trouve pas quelque chose d'intéressant, voilà, voilà, ça valait le détour. Je le sentais bien que ça valait le détour. Là, non, 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 non. Allez, tranquillou bilou. Quel bazar pour arriver jusqu'à l'aquarium quand même. J'ai deux choix. Non, j'ai qu'un choix. Rien par ici. Rien non plus là-dedans. À voir. Alors. Là par là, voilà. Réponds. Bah oui, viens ouvrir parce que là, après ce qu'on vient de traverser, mon ami. Quelque part à l'arrière. Bien planqué.
Regardez comme c'est pas mal cette place là. Avec une fontaine. Un morse. Moi je vois un camion, je grimpe dessus et je me dis que peut-être que si on fait ça, ben on se fracasse par terre. Ça ne vit strictement à rien. Là, par ici. Je fais vraiment les moindres recoins, mais vous avez remarqué qu'il n'y a rien à récupérer. Là. Owen, il commence un tout petit peu à me casser les pieds. Donc on va avoir besoin de cette corde, ça c'est certain. Pourquoi faire? J'en sais rien. Est-ce que c'est fermé aussi ici? Ouais, c'est magique. Alors, réfléchissons. Pas d'autre issue, donc cette corde, on va la prendre avec nous. Ici quoi? Je suis preneur hein, de temps ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça là? Ah ouais, ok, je sais. Hop, hop. Non, non, 2 secondes. Dépose ça, tu prends ça, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Yop, caroum. Éventuellement, tu fais. Ouais, ça. Possible, non? Ça sert à rien. Ça sert à rien, ok. Par là. Rien non plus. Ça rien non plus. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un tout petit peu. Tout petit peu. Ouais, c'est bien de faire fonctionner. Ce que je suis obligé de faire ce soir. Ces neurones. Une brique. Hop, tiens. Il est un petit peu pénible cette Owen quand même. Vas-y, Abby, vas-y, vas-y, saute. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler pour la casse. Ok. Quelque chose à éclaircir entre Owen et la disparition de l'autre Wolf, Danny, je pense, si je ne me trompe pas. Allons-y. Verrouiller, évidemment. Ce serait trop simple. Hey, Owen! Je commence un tout petit peu à me casser les pieds, Owen. Tout petit peu. Quoi qu'il y a par là? Rien, c'est fermé. Allons à la porte du crabe. Owen!
Putain, merde. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Pourquoi la dernière fois on était venu, c'était plein de vie. Et là, Max Place. Ça ne s'ouvre pas. C'est par là que l'on vient. Allons voir à l'étage. Regardez s'il n'y a pas quelque chose à récupérer là par là. Générateur. Il est en route, mais il ne fonctionne pas énormément. Là par ici. Ouais. Ah, dans le bateau. Dans le bateau. Allons-y, ouais. Alonso. Putain, ça c'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Me dire ce qui s'est passé. On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre, qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici.
On en reparle demain quand t'auras décuvé. Pas ça. Faire quoi? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Oui, comment je fais ça, Abby? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille? Les massacrer? Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils puissent... Là, ça devient chaud. Fermez les yeux, les amis. Fermez les yeux, je vous dirai comment les rouvrir. Il se passe des choses. Quand même. Donc un flashback à nouveau. On peut découvrir son papa qui est décédé. Cauchemar. Elle reprend très certainement. Ouais, voilà. Aux deux petits qu'elle a laissés derrière elle. Et qui ont quand même, somme toute, sauvé la vie. Mais ils t'ont sauvé la vie, Abby, hein, quand même. Donc si je saute ici, je me fracasse. Et oui, dans l'état où était la jeune demoiselle, c'était pas possible qu'elle se déplace. Kilou-pilou. Pour l'instant, on ne voit aucun danger potentiel. Je n'entends pas de claqueurs, je n'entends pas d'infestés. Je vous avoue que pendant tout le jeu, j'aurais jamais su s'il faut dire infesté ou infecté. Je crois qu'ils disent les deux. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre là?
en fabriquer. C'est ce que je peux l'améliorer? Non. C'est ce que je peux en fabriquer? Non. Ça, ouais. Ça, ouais. Et ça, on va faire. Ok. Est-ce qu'on peut se voir 1, 2, 3. Oui, c'est encore une armée phénoménale. J'aimerais savoir si je peux éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire celui-là déjà? Pas dégueu ce que je viens de faire les copains là, hein. Pas dégueu du tout. Lui, il m'a pas vu. Putain. Allez, récupère toutes tes flèches là. Reste couché. Allez, top cette arbalète, purée. Un petit peu. Je suis trop loin. Je le sens pas, je suis trop loin. Alors, par contre, on va faire un truc comme ça. Il me reste qu'un carreau d'arbalète. Donc il faut que j'aille rechercher. Pas mal du tout cette arbalète, hein, les amis, franchement. Ça a permis de bien faire le ménage. Surtout sur les gros balaises, hein, j'aurais pas cru. J'arrive mieux à la manier que l'arc. Qu'est-ce que je vais faire pour pas faire de bêtises? Munitions, voilà, comme ça j'utiliserai pas les la grenade incendiaire que j'ai. Ça, je peux toujours pas faire ça. Je peux pas faire ça. Voilà, c'est normal. Je vois pas pourquoi je vérifie vu que j'ai rien trouvé. Autant pour moi. Allez, on va se prendre le pistolet de chasse. Je vous avoue que maintenant j'apprécie autant Ellie que Cabby, et je crois que c'est ce qui fait la force de ce jeu. On incarne les deux ennemis, mais on prend parti pour eux, et on comprend que bah, rien n'est simple. Et c'est un scénario fantastique, vraiment. Je ne sais pas comment ça va se terminer, j'en ai très peur. Parce que finalement, bah, à la place d'Abby, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Chercher à venger son père. Bah, je crois que la,
reprendre une expression du net, la question est vite répondue. Alors, qu'est-ce qui nous offre là-bas? On passe par là. Et hop! Claqueur. Ah, il me faut de quoi fabriquer des trucs, hein, les amis. J'ai rien, j'ai plus rien du tout. Je n'ai, pour ainsi dire, plus rien du tout. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, là. Ok. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Non, non, non. Là, ouais, mais alors je doute d'avoir suffisamment de ferraille. Troisième tiroir vide que nous ouvrons. On va regarder à tout hasard. Non, les 22, ça sert à rien. Ok. J'espère qu'ils sont encore là. Je vous l'avais dit, hein, quand on avait laissé les deux petits, mais je vous avais dit. Ça m'étonne qu'elle les laisse là tout seul. Leur propre sort, bah, ça montre bien qu'elle a du cœur, autant qu'Ellie, hein. Évidemment. Et que moi je tourne en rond comme d'habitude. Alors, procédons par ordre. Par là, on en vient. Ça sert à rien d'y retourner. Par là, ça serait bien de passer par là comme ça, comme ça. Là, on peut pas passer. Là, on ne peut pas passer non plus. Là, non plus. Là non plus, et là non plus. Donc là, je vous ai fait faire le tour du propriétaire, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas vrai, ça. Non, c'est bien le passage. J'entends des bruits de ferraille. Ouais, mais non. Là, est-ce que je peux passer? Non. Là, non plus. Là, oui. Eh B! Nous y voilà. Ah, et puis c'était là qu'on les avait laissés. Je reconnais maintenant. Oh, merde. Petit? Vous êtes encore là? Faites pas un pas de plus! C'est moi! Désolée.
de bouger ton bras. Appuie-toi sur moi. Où est-ce que tu l'emmènes ? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Il lui reste une solution. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, Alice, hey, baisse ton arc, c'est bon. Baisse ton arc. Baisse ton arc. Qu'est-ce qu'il fout, lui ? Alice ! Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses ? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Ça s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça ? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose ? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut ? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste, j'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous ! C'est pas le problème, Abby, elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures ? L'hôpital des Wolves, c'est ça ? À l'ouest ? Comment ? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures ? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse ? Les Scars utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois. C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider, puisse-t-elle te protéger. Abby. Abby. Quoi ? Attends. T'as piqué mes clés ? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça ? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle ? Fais pas de conneries, ok ? Bon, bah nous voilà repartis dans une nouvelle quête.
recherche de médicaments, de quoi soigner la petite. Eh bien, je crois que pour l'instant, nous allons nous quitter ici. J'espère que vous êtes bien amusés en suivant ce let's play. Vous avez pris du plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut !